Regardez cette photo qui défile sur votre écran. Pendant que j'enseigne, concentrez-vous sur cette photo. Sur cette photo, excusez-moi. Et vous allez voir que le dénominateur commence la séduction. Une femme comme celle-là devant vous en train d'enseigner avec son pantalon serré. Voilà l'autre qui est sous la pluie. Pensant bien faire, elle s'est tout monde. Elle est sous la pluie, prêchant, mais habillée comme femme, une fille de Jézabel, comme une prostituée. Elle est sous la pluie, mais elle est habillée comme une prostituée. Elle pense bien faire, mais elle est dans l'erreur, comme Uzza qui pensait bien faire en soutenant l'arche. Il a été frappé. Vous qui écoutez les femmes enseignées, vous êtes sous la malédiction. Donc, mes frères, il y a une chose qu'on doit comprendre, c'est que si vous ne vous soumettez pas à la loi de Dieu, vous allez vous diriger à l'enfer. Alors, retournons à 1 Timothée chapitre 2. Je veux que les femmes, vêtues d'une manière comment, décentes, pas comme des prostituées qui défilent souvent des camps, comme on dit en Afrique, des bordels, les faux cheveux sur la tête, des faux ongles, tout est faux sur elles. Elles sont la fausseté ambulante, faux yeux, faux teint, faux cheveux, faux ongles, faux sourcils, tout est faux sur elles. Alors dans Timothée, pour voir la grande séduction, et vous allez comprendre ce qui se passe, ce qui défile sur votre écran. 2 Timothée, à partir du... Pas 2 Timothée, 1 Timothée, c'est pas 2, c'est plutôt 1er. 1 Timothée, à partir du verset 9, qu'est-ce que nous voyons? 2, 1 Timothée, 2 chapitre, à partir du verset 9, qu'est-ce que nous voyons? D'abord, l'accoutrement de la femme. Je veux que les femmes, vêtues d'une manière comment, décente, avec pudeur et modestie, soulignent pudeur. Avec pudeur. Dans pudeur, il y a pudique. Le contraire de pudique, c'est impudique. Duquel nous avons le mot impudicité. Ça veut dire quoi? Une femme s'habille avec pudeur, c'est-à-dire de manière pudique, ça veut dire que son accoutrement ne fait pas penser un seul instant au sexe. Quand vous la voyez, vous n'avez, il n'y a aucune illusion au sexe. Donc, ma soeur, si vous habillez, et dans la rue, quelqu'un, par votre habillement, voit un objet sexuel ambulant, se dandinant devant lui, c'est que vous avez péché. Vous avez enterré cet homme à l'enfer inconsciemment, parce que cet homme vous a convoité dans son cœur et il commet l'adultère dans son cœur avec vous. L'habillement avec pudeur, voilà la raison pour laquelle, regardez sur votre écran, mes frères et sœurs, les faux ongles, faux cils, tout est faux. Il n'y a pas de pudeur. Et une femme comme cela se met devant vous, se met à enseigner la parole de Dieu. C'est tout simplement la séduction. C'est la séduction. Donc, elle pose des mains. Une femme qui a ses menstrues, je dois dire les choses comme ça, ça se présente, elle se présente devant vous. Elle vous impose les mains. Même dans l'Ancien Testament, selon la loi, quand la femme avait les menstrues, pendant tout le temps de son indisposition menstruelle, elle devait être isolée. Même faire à manger son mari ne le faisait pas. Tout l'objet qu'elle avait touché, l'objet devenait impur. Donc voilà ces femmes qui imposent les mains dans l'assemblée. Continuez à vous faire imposer les mains de ces femmes rebelles. Vous participez à leur abomination. Alors, la femme, 1 Timothée chapitre 2, verset 9, je veux, Paul, parler à la part de Dieu. C'est pas Paul qui parle pas, inspiré par son intelligence. C'est Paul qui écrit, mais qui est derrière l'inspiration? Qui a dit à Paul d'écrire? C'est Dieu. Donc Dieu veut que la femme vêtue d'une manière quoi? Bling bling? Non. Voluptueuse?
comme une prostituée, non. Frivole, non. De manière sexuelle, sexy, non. Dieu veut que la femme s'habille d'une manière décente. Avec pudeur, pudeur signifie quand on la voit, on ne peut pas penser au sexe. On ne peut pas penser au sexe. Mes frères et sœurs, regardez cette photo sur votre écran. Regardez cette photo sur votre écran. Voilà une pasteresse. Voilà une pasteresse. Quand vous rencontrez, ça c'est dans l'église, on a vu tout à l'heure, comment le diable s'introduit dans l'église, s'assoit dans le temple de Dieu que nous représentons aujourd'hui et se proclame Dieu. Voilà l'exemple d'une femme qui est habillée contrairement à 1 Timothée chapitre 2, verset 9. Voilà le contraire. L'impuricité, la débauche. Une femme comme ça est nue, elle est carrément nue, elle enseigne devant les gens. Voilà là où nous sommes arrivés. Voilà où nous sommes arrivés. Quelle abomination, abominablement, outrancièrement, abominable. Voilà où nous sommes arrivés. On ne peut pas être dans la joie en montrant ces choses. On ne peut pas être dans la joie. Je veux aussi que les femmes, habillées d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parlent ni de test. Enfin, de test, c'est ce que vous ajoutez sur la tête, les extensions, les rajouts. C'est ça les tests. Les tests, c'est les greffes, les extensions, les rajouts. Une femme qui craint Dieu doit avoir ces choses. Ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Mais qu'elle se parle comment? De bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Ma sœur, tu fais profession de servir Dieu, ne t'habille pas comme celle qui vient de défiler sur votre écran avec ton pantalon. Ne t'habille pas comme elle. Habille-toi de manière modeste. Fuis toute personne qui veut t'amener à t'égarer. Qui veut t'amener à t'égarer, fuis. Fuis. Éloigne-toi de ces gens. Il y a des pasteurs qui encouragent des femmes à s'habiller de manière voluptueuse pour transformer ces femmes en des agents commerciaux inconscients. Ils vous disent habillez-vous, c'est comme ça que. En fait, quand ils vous disent de bien vous habiller pour attirer les gens du monde, en fait, c'est pour avoir de nouveaux clients qui vont dîmer, qui vont faire les offrandes. Comme cette église abominable. D'un abominable faux pasteur au Nigeria qu'on appelait, qui s'appelle Dr. Fireman, un docteur homme de feu, qui met des pancartes, des panneaux publicitaires dans toute la ville. Il dit, venez, il y a des filles sexy qui seront dimanche. Et il met sur les panneaux géants, quelques filles soi-disant sexy, des objets de sexe. Mes frères et sœurs, nous devons nous attacher à la parole de Dieu et rien qu'à la parole de Dieu. Verset 11, maintenant, le verset 11 nous fait rentrer dans le code d'enseignement. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une soumission. C'est ce que vous lisez. C'est pas avec une soumission. Il y a un mot qui manque. Avec une entière soumission. Donc, si vous êtes dans une église, et je m'adresse aux bergers qui sont à la tête des églises, qui sont affiliés de preuve de loi à ce ministère de Jésus-Christ, si vous avez dans votre assemblée une femme rebelle, prenant autorité sur les hommes, vous l'avertissez une fois, vous l'avertissez deux fois, il n'y a pas de troisième fois. Mettez-la à la porte au troisième avertissement. Le troisième avertissement sera tout simplement final, vous la mettez à la porte. Ne tolérez jamais. Même chose dans une assemblée où une femme, vous l'avez avertie, elle prend la parole de Dieu, elle vient encore avec les dernières, elle vient encore avec les tests, elle vient encore avec les blibli. Et dans le monde, elle n'a pas de place dans nos assemblées. Nous ne cherchons pas le nombre. C'est la qualité que nous cherchons. Aujourd'hui, les gens veulent, oh, notre église s'est agrandie. Oh, Georges, on a commencé à 5. Nous sommes maintenant à 30. On va à 40, on va à 100. Ce n'est pas ce qui est important.
30, 50, 100 candidats pour l'enfer, c'est ça? Non. Nous voulons une, deux personnes, comme si l'église a deux ou trois personnes, et que toutes les trois personnes aillent au ciel. Voilà. Donc, si dans une assemblée, et j'interpelle les bergers, il y a quelques-uns qui sont actuellement connectés, si dans une assemblée que vous dirigez, je vous en conjure au nom de Jésus-Christ que je prêche, ne tolérez pas un, l'insoumission d'une sœur en Christ dans votre assemblée. Parce que la Bible parle d'une entière soumission. Entière soumission, ça veut dire que on ne tolère même pas un tant soit peu. On ne tolère pas un tant soit peu l'insoumission. Si j'apprends même qu'une sœur en Christ est insoumise à son mari, insoumise à son grand frère, insoumise à un frère dans l'église, je l'avertirai une fois. La deuxième fois, je vais avertir. Troisième fois, elle n'est plus dans nos rangs. Nous ne cherchons pas le nombre. Il y a des ministères là qui remplissent les stades, qui font des conférences à travers le monde. Les gens sont pleins parce que les gens veulent des miracles, les gens veulent être guéris. L'évangile que je prêche, ce n'est pas l'évangile populaire. C'est l'évangile là, dérivant du péché, c'est l'évangile de passer par la voie étroite qui mène au ciel. C'est un évangile tellement impopulaire parce que dans cette fin de temps, les gens ont la démangeaison d'entendre les choses agréables et se tournent vers une foule de faux pasteurs pour leur propre ruine. Nous prêchons la véritable parole de Dieu qui sauve nos âmes. Donc une femme dans une église qui manque de soumission, qui manque de soumission à son mari, qui prend autorité sur son mari, qui prend autorité sur son grand frère, qui prend autorité sur un frère dans l'assemblée, je ne pourrais pas tolérer cela après un deuxième avertissement. Même chose pour les femmes qui s'habillent encore avec le monde. Et selon le monde, excusez-moi, qui flirte encore avec le monde. Nous ne pouvons pas tolérer cela. Nous ne pouvons pas tolérer cela. On ne tolérera jamais cela. La Bible dit que l'homme, ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Ce sont les violents. J'ai fait des années sans comprendre ce verset. Aujourd'hui, je le comprends par la grâce de Dieu. Ça veut dire qu'il faut être violent. C'est faire violence. Bien de fois, il y a des choses que tu veux faire. La chair veut t'amener à faire des choses. La chair veut t'amener aussi à te distraire. Aller prendre ses vêtements, à mettre ses choses sur le corps. À aller dans les maisons de joie. Dans les salles de cinéma, dans les boîtes de nuit. La chair veut te pousser. Tu te disciplines, tu tiens ta chair assujettie comme l'apôtre Paul le faisait en 1 Corinthiens chapitre 9. Tu tiens ta chair, tu contrôles ton corps, tu te disciplines. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.